and welcome to another lovely moment on CITV Sports and Entertainment. The event tonight is the draw ceremony of the African Nations Women's Nations Cup that is taking place, will take place in Morocco from July the 2nd to July the 23rd. Of course, for the first time, 12 countries will be participating, among whom the Indomitable Lions of Cameroon. In 2020, the edition never held because of the COVID-19. And so this is the return of women's football at the continental level. Tonight with me is Edith Virginie. Good evening, Edith. Bonsoir, Guillaume, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue donc à ce moment spécial, le football féminin. Et vous le savez bien, toutes les attentions focalisées ce jour au complexe sportif de Rabat. C'est le complexe sportif Mohamed VI, où les 12 nations qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin vont voir leur sort se décider. Vous l'avez compris, tirage au sort des poules et une Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute pour la toute première fois avec 12 pays. De précieux moments que nous allons vivre ensemble et partager avec vous dans les quartiers devant votre petit écran, mais également avec nos invités. Aujourd'hui, deux charmantes dames pour nous tenir compagnie. Bonsoir, Jobrita. Bonsoir Edith, Virginie Mvoque, bonsoir au panel. C'est pour moi un honneur d'être ici ce soir. Ancienne Lyon Indomptable, c'est des moments comme ceci, ça te rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses quand j'étais encore en activité, c'est-à-dire que c'est des situations qu'on vivait, mais aujourd'hui on peut les suivre en direct à la télévision en compagnie de ce beau panel et puis ceux qui nous regardent. Et surtout, merci aux techniciens qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. En tout cas, bienvenue et merci d'être là. Of course, Africa is... Now, turning and watching Morocco at the stadium there, that is the Mohamed VI Stadium complex for this very draw ceremony, which is going to, you know, Africa football is taking a new step. For your information, there are going to be many, many debutants in this very competition. With me is Lyokada Bongben. Yes, Lyokada Bongben, for your information, is a reporter, a journalist, a sports reporter with the BBC. And of course, she was a former team media officer of this very team. You're welcome, madam. Thank you. Thank you for having me. Yes. It's a pleasure. Yes, I think at this juncture, it's true, you're no more the media officer of the team, but you still have some family, some love for them, for these girls. You want them to have a good group. You know, once you've been there, it's always there, and it's like you're still part of it, even from far. Okay, Edith, we want to just say that this very draw ceremony is going to be graced by two greats. That is, we'll have Nawal Moutawakil. Bien entendu, Nawal El Moutawakil, c'est une légende marocaine, elle qui a beaucoup fait et qui est d'ailleurs une figure de proue en ce qui concerne le sport féminin en Afrique, dans le monde arabe et même au niveau planétaire. C'est la championne olympique du 400 mètres de 1984, les Jeux olympiques, donc avec Adjaran Chout qui sera également... une autre figure marquante de cette cérémonie aujourd'hui, elle, vous le savez bien, c'est l'une des meilleures joueuses de football sur le continent africain. Et puisqu'on parle sport féminin, puisqu'on veut développer le football féminin, il n'y avait pas mieux que de présenter deux grandes légendes, deux icônes de du sport féminin pour pouvoir amener cette cérémonie et du tirage au sort. Of course, Edith, we're going to regret the absence of some top scorers of this very competition during the draw ceremony. In fact, they did play very well. They topped the group, scored big goals, but then their country didn't qualify. We're talking about Nidia Atieno of Kenya, who scored 6 goals in the competition. We equally have somebody like the lady from Ethiopia as well, who scored so many goals as well, but will not be around. But then we're going to have the love to see this girl from Burundi, who scored Rukia Bizimana, who scored 5 goals. South Africa's Linda Matlalo, 5 goals. And of course, they're going to join the Chuda Jara, who scored 2 goals, but then remains a redoubtable girl in the competition because, as you know, Edith, the last time Archer scored the goal for Cameroon that qualified Cameroon for the 8th final of the World Cup. And of course, her goal was picked among the top goals of the tournament.
Tout à fait. Ce but qui avait fait donc le tour, ça a enflammé d'ailleurs la toile. Cameroun contre Nouvelle-Zélande. On se rappelle encore ces beaux moments, mais aujourd'hui donc, Nshuta Diarra sera sous les feux des projecteurs en tant que une des meilleures joueuses du football africain et qui sera donc en compagnie de Nawal Al-Mukhtar. Peut-être qu'il faudrait qu'on revisite un peu, on revienne un peu sur ce fameux but Cameroun contre Nouvelle-Zélande qui aura permis aux Lions et Notables de disputer un deuxième huitième de finale de la Coupe du Monde. Jean-Chirac Bessé with the top six of the very competition. Jean-Chirac Bessé. Sur les 12 pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue au Royaume chérifien, 3 arborent la tunique de tête de série au tirage au sort de ce soir. Il s'agit du Maroc, du Cameroun et du Nigeria. 3 pays aux profils différents. Le Nigeria apparaît naturellement comme le géant du trio. Tenant du titre, le pays de Assissat Oshoala cumule 11 trophées remportés sur la scène continentale. Les Super Falcons qui signent leur 14e apparition en phase finale de Cannes avec 8 participations à la Coupe du Monde règnent sans partage en Afrique. Le Cameroun, deuxième pays le mieux classé sur les 12 en lice, les Lions Indomptables affichent 13 participations à la Cannes, 4 finales disputées et perdues, 3 médailles de bronze dans la besace et 4 médailles de chocolat raflées. Vainqueur des Jeux africains de Maputo en 2011, Gabriel Abou Diongen et ses coéquipières courent derrière leur premier sacre en Coupe d'Afrique. Le Maroc, pays hôte de la première Cannes à 12, complète ce tiercé des têtes de série. Les Lilbawat de l'Atlas sont 78e au dernier ranking FIFA avec 2 maigres participations infructueuses à la CAN. En 1998 et 2000, les Marocains avaient été éliminés de la compétition dès le premier tour. Et les têtes d'affiche pour ce tirage au sort, et il y en a donc 3 pour l'instant, c'est bien le Maroc, pays organisateur, le Nigeria détenteur du trophée et bien sûr le Cameroun, la meilleure nation classée au niveau du ranking mondial et même africain. Diop Rita, un petit regret quand même, l'Afrique du Sud a basculé de l'autre côté. Bon, à mon avis, il n'y a pas de regret à faire. Hein. De toutes les façons, trouver une place au pays organisateur. Trouver une place au organisateur. Vous savez, s'il fallait individuellement demander à chacun ce qu'il voudrait, tout le monde serait là. Maintenant, c'est au terme du jeu, le jeu produit, qu'on se qualifie pour aller là-bas. Donc, pour moi, c'est bien parce qu'en même temps, nous voyons un peu l'évolution du football féminin et qu'aujourd'hui, celles qui font beaucoup d'efforts, ça, vous savez, et le foot aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, si je vais toujours me référer au Cameroun, ces surprises que nous connaissons, elles ne laissent personne. Ça veut dire que si on s'entend à travailler, on aura les résultats. Et travailler seulement ne suffit pas. Il faut garder cette concentration qui nous permet à la dernière minute de prendre les places que nous sollicitons. Well, I want to talk about the top six. I want us to talk about these guys who are going to be debutants in this very competition. We have as many as 4 of them, I think. So, if I'm not mistaken, we have Burundi, we have Botswana, we have Burkina Faso, and we have Togo, who are coming to this competition for the very first time. Can you talk to me about them? How did you see that qualification? For the fact that they are already here means they merit to be here. Mm. Because when you look at teams like Ghana and Ivory Coast, these are teams that have reached a level within the women's football competition, and today they are not there. You just not say that they don't merit being here. When you look at Togo is, these are emerging nations. Yes. They are coming up like other football teams. And we can say that football is evolving, and Togo, Burundi, Botswana, and of course, these are teams that for now, we are just going to wait and see what they can do, because qualifying is already an exploit. Mm. So we cannot just write them off at this level. Mais on a quand même du mal à comprendre qu'il n'y ait ni Ghana, ni Côte d'Ivoire, ni Égypte, ni Guinée équatoriale, ni Mali, ni Zimbabwe, autant d'équipes qui ont... Yes, and that's why, Edith, I'm saying it's not
giving us 12 teams at the Nations Cup, that is enough. Ghana, Ivory Coast, Mali, we know where they have reached. We know what they've done at AFCON. And if you take only 12 teams, we are happy already we have the 12 teams. Mm-hmm. But we could still go up to 14, 16 to bring in more competition and more women's clubs. Because once you have to wait for 2 years to prepare another Nations Cup, you know, it's like you are losing it. So you are forgetting, a more team. Increase in the teams. Of but it did, but Leocadia, but just know that first of all, it was 8, we are now moving to 12. Jobrita, we're talking about the absence of Equatorial Guinea. Don't you think Equatorial Guinea was knocked out by Tunisia? They were flogged 5-0 in the first game. They struggled, that was in Malabo, and won 3-2. Don't you think we should be careful with this Tunisia? I think that because let me go in French. Let me go in French. Enfin, je pense que c'est la dure réalité, parce que battre à l'aller, c'est encore, on pourra dire que c'est une autre chose, mais en aller-retour, là, ça confirme comment je vais c'était dire. C'était pas un aller-retour. La Guinée équatoriale a gagné à domicile 3-3, mais après avoir perdu 0-5 à l'aller. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire que ces équipes qui entrent là, elles sont à suivre. Elles sont vraiment à suivre. Et comme je disais tantôt, c'est que le football évolue tellement que pendant que les autres prennent un peu de temps pour se reposer, les autres sont à d'autres niveaux. Donc, il faut faire très attention. Moi, à mon avis, je dis aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à là, c'est qu'il n'y a plus véritablement de grandes nations de football. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire parce que je suis le Cameroun, si je dors sur je me couche sur mes lauriers, je n'aurai rien. Donc, aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'efforts à chaque niveau, à chaque panel, et puis savoir que plus on monte, plus cela demande encore beaucoup d'efforts et une bonne organisation. I almost stopped you. I wanted to say that when you look at a team like Nigeria, for the first time, Ghana beat Nigeria at home. Yes, of course. And it's only at the return leg that they managed to take up that score. It means that even at this Nations Cup, we are going to see different things. When you look at a team like Zambia qualified by the skin of the feet, yes, in the hands of Namibia. Yes, they represented Africa at the Olympics. Ça peut également expliquer le fait que deux pays d'une même sous-région, yeah, généralement les duels sont yeah. très compliqués. But Zambia is not to be taken for granted. The quality of the team, quality of the team. This is a team when in 2015, when the Lionesses were going to play them, you know, we used to beat them 5-0, 6-0, and, you know, it's like we were teaching them then, but they taught us a lesson, and, you know, the Olympic qualifiers. We did not go because Zambia, you know, defeated us. Il y a aussi un autre paramètre là-dedans, c'est que les équipes nationales comme la Zambie, c'est un groupe qui a évolué. Ça dit que, vous savez, là, quand il y a la cohésion dans le jeu, et ils se comprennent, ils savent comment je vais dire. Le coach a un bloc qui se connaît. C'est des enfants qui sont ensemble depuis, parce que on les a vus en junior, parce que celui qu'on assimilait aux garçons, c'est des petits. On est revenu quelques années en arrière pour essayer de les identifier. C'était des jeunes filles. Bon, maintenant, comme chacun est libre de se mettre comme il veut, elles ont donc évolué comme ça, et ça veut dire que ces automatismes-là sont revenus et qu'ils les ont gardés. Maintenant, au coach d'exploiter l'efficacité de ce groupe qui se connaît déjà. Et je pense que la majorité des équipes aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'il y a des équipes que moi j'ai vues qui sont solides, une équipe comme la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est solide au niveau physiquement. C'est des grandes athlètes, elles sont très athlétiques. Even the DRC. Voilà. The DRC played Cameroon. Même, voilà. Donc il faut faire attention. Donc, à mon avis, le jeu est ouvert aujourd'hui. Le jeu est ouvert. Donc, celles qui vont vraiment se déployer sur le terrain, et puis la concentration. La concentration, ça veut dire qu'il faut être attentif. Et voilà, ce sera que pour la beauté du football féminin, je dirais. Voilà, pour la beauté du football féminin, en tout cas, espérons-le, on aura de beaux duels au Maroc. Intéressons-nous quand même à la cartographie des qualifiés. 4 nations issues de la zone ouest africaine, de la zone UFOA.
Il y a deux nations qui viennent du Maghreb. Il y a deux sélections également qui viennent de l'Afrique de l'Est. Mm-hmm. Il y a une seule sélection qui vient de l'UNIFAC, tandis qu'au niveau de la COSAFA, il y en a trois. Mm-hmm. Donc, est-ce que ce n'est pas une sorte de... On ne peut pas avoir de regrets à propos par rapport à la zone UNIFAC. Yeah, we have to regret that Equatorial Guinea, we know how strong they are. They are two times champions. They are two times, yes. Apart from them, Nigeria. Yes. So it's difficult to see that today Equatorial Guinea is not there. And looking at UNIFAC, Central Africa, once you have Cameroon, or once you had Equatorial Guinea, you had Cameroon, and now only Cameroon alone, it means that we have to really oui, mais work qu'est-ce qui peut expliquer ce retard, je vais dire le retard ou alors... Is it a lack of the development of women's game in Central Africa oui, region? Le problème, c'est que certaines équipes nationales s'appuient sur des ressources humaines qui viennent d'ailleurs. C'est le cas de la Guinée équatoriale. Yes, Equatorial Guinea. À des ressources qui viennent d'ailleurs, ça veut dire qu'on a des joueurs d'autres nationalités. Beaucoup d'autres nationalités qui sont venues renforcer. Mm-hmm. Et vous savez. Did Cameroon have played there? I think. Yes, Belarus was playing there. Yes. Non, et vous savez que d'ailleurs. Quand mm-hmm. on parle de nationalité, bon, avant le corona, on va le dire comme ça, la Guinée équatoriale, c'était quelque peu, je vais dire, l'Eldorado en Afrique, il y avait les moyens. Parce qu'aller chercher ces Brésiliennes, vous connaissez, c'est beaucoup d'argent, le financement, l'entretien. Et autres, là, c'est costaud. Maintenant, quand ça a chuté parce qu'elle a été frappée par la crise économique et autres, là, comment je veux dire, l'apport ne peut plus être le même parce que les filles viennent parce que là, elles ont quelque chose à prendre, il y a l'argent à prendre et puis, bon, la belle vie. L'opportunité même de jouer. L'opportunité même de jouer parce que ce n'est pas donné à tout le monde de jouer dans l'équipe nationale. Alors que le Cameroun, la constance au niveau du Cameroun, c'est quoi? C'est qu'on a nos filles. Et je vous assure que si nos championnats se jouent tels que c'est parti là aujourd'hui, mais attendez. Parlant du championnat, Diop Rita, je vais un peu vous interpeller. Quand je parle de ces sous-régions qui fonctionnent très bien, la COSAFA a des championnats bien reconnus, bien organisés. C'est CAFA, c'est pareil. UFOA, c'est pareil. Mais ça traîne un peu au niveau de l'UNIFAC. Yeah, we have to understand that. Much attention is not yet given to women's football in this area. And when we look at it, Central Africa, they are in war, so there's not much resources to do other things and then take half and give the women's national team. So when you look at the central region, Gabon, you know, it's not that. They don't have a strong even championship. They don't have a women's team that you really can rely on. So it's that they are not really putting much effort to develop these national teams. So whatever you put in is the same thing you will get out. I think sometimes, don't you think that sometimes the authorities too have a role to play? Oui, c'est question de volonté. Yeah, because in Equatorial Guinea, we know the wife of the president personally supports the women's national football team there. In fact, when they go to the field, you will see her. She's called Constance Obiang. Each time they play, you see Madame the President on the field. And so I think somehow, when the authorities support, it goes. Like here in Cameroon now, we know that Samuel Eto'o with the new FECA foot have given women's football a different lift. And so you see the girls are enthusiastic. The other day, the girl was saying that with what she's seeing now, she may not want to go out again. Well, yes. Yeah, I think so, because one time at least I heard him telling somebody, you need to give the same kind of treatment that you give to men to these girls. So if you talk to people like that, you come and eat and dine with, you know, dine and wine with them and listen to their problems, we know you can't solve all the problems, but if you give the minimum, something good will come out of it. Moi, j'étais en train de dire ceci, c'est qu'il faut crier. Il faut crier. Par exemple, on a vu toutes ces infrastructures que nous avons. Qu'est-ce qu'on va en faire si on ne peut pas les utiliser? Donc, faisons des propositions aujourd'hui, et le président Samuel Eto'o Fils est là, il n'attend que cela. Créons des compétitions
peut-être sur la zone, dans le sens du développement. Aujourd'hui, quand tu vois le niveau des championnats au Cameroun, ça nous permet d'avancer. Créons des compétitions dans la sous-région et commençons à appeler celles des nations qui sont déjà assises. On a le royaume chérifien qui est bien assis au niveau du football féminin. On a au niveau de la COSAFA, je crois que c'est ça autant pour moi. Oui, c'est des choses. Alors, il faut créer des compétitions parce que le tout, c'est pas de dire que les pouvoirs publics ne font rien. Mais alors, à nous également de leur faire des propositions. Moi, je suis allée à faire des propositions parce qu'aujourd'hui, vous allez m'excuser, je vais parler un peu de mon association. Association des féminines du football féminin et sympathisants qui pensent aujourd'hui que l'apport que nous autres en tant qu'anciens, c'est d'accompagner la Fédération camerounaise de football via la Ligue. Ça veut dire quoi? Leur faire des propositions, peut-être même organiser et demander leur soutien. Quand je parle de soutien, c'est dans le soutien technique par rapport aux spécialistes. Et puis maintenant, voir s'ils peuvent nous apporter un peu de moyens financiers. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous pensez, si vous voyez un instant que le Cameroun se lance là-dedans, parce qu'on a cette opportunité, on a des espaces, on a des aires de jeu de dernière heure même d'ailleurs. Ce qui fait que le Cameroun, tout le monde connaît le Cameroun aujourd'hui, je vais reprendre notre papa. Donc, il faudrait que nous nous lançons dans cela et que nous créions des compétitions. Et aujourd'hui, il y a le sponsoring est là. Ça veut dire que quoi? Moi, j'ai dit, s'agissant des femmes, par exemple, que nous nous rentrons dans l'agroalimentaire, par exemple. Vous comprenez? Les femmes, je crois que c'est le plus grand public même. Quand on parle des femmes, après, on parle des jeunes, des hommes, après. On va attirer les consommateurs, les sympathisants et autres. Tout ce qu'on fait. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on leur donne? C'est un bactérie. Un bactérie. What are you saying? Your point is a little bit elaborate. What do you want? You want to propose ideas. Some competition, international competition, so that cet espace qu'elle a dit, par exemple, au lieu de dire que les pouvoirs publics ne font rien, c'est à nous également aujourd'hui, nous qui avons été sur le terrain hier, de faire des propositions et dire que voilà ces possibilités qui nous sont ouvertes. Edith, I wanted to suggest that we talk about Cameroun. Oui, tout à fait, parce que le Cameroun, moi, je pense que ça se passe relativement bien et que le Cameroun n'est pas une nation qui a quelque chose à envier aux autres par rapport au football au niveau africain. Mais en tout cas, le Cameroun est la figure de proue de l'Afrique centrale, de la zone UNIFAC. Et les Lions Indomptables ont bravé des échelons, elles ont gravi des échelons, elles ont remporté des lauriers sur le plan continental et même sur le plan mondial, ce qui lui vaut aujourd'hui la place d'être l'occasion d'être tête de série dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Mais revisitons un tout petit peu le parcours du Cameroun dans cette compétition qui lui vaut aujourd'hui cette place. C'est avec Esther Aïmbo. Qui récupère, attention, un autre centre qui va revenir. Attention, la gêne, là, le geste est bien. L'ouverture du score des Lions Indomptables. Forte, mais toujours vaincue en finale. Comme lors de la toute première édition de la CAN, alors championnat d'Afrique de football féminin en 1991. Les Lions Indomptables ont participé à toutes les phases finales de la compétition. De finale 1998, 2006, 2010, elles ont stoppé le quart de finale. Guinée-Équatoriale en 2010, comme lors de la dernière édition de la CAN 2018, les Lions Indomptables se sont contentés de la troisième place. Vice-championne d'Afrique, déjà quatre fois, les guerrières n'ont pas encore réussi l'exploit de soulever le trophée le plus compliqué d'Afrique. Chaque fois, fait par les Nigérianes, toujours aussi impitoyable, les Camerounais n'ont pourtant jamais revu leurs ambitions à la baisse. D'ailleurs, elles se confient au moins pour ces canaux marocains en Abou, à Gambie, aller-retour. 2-0, ensuite 2-1. Morgan ne joue pas la demi-jeu. 4-4. Flamini et sur le Cameroun, as team, but then review the team performance. And the question is,
depends on the leader, everybody. This is a current team. It's a big team. Been to the World Cup. They've been our podium. Africa, you know, won the league. It's a big concern. That's a problem. That should be the point. Like, Nigeria is always our problem. It's our problem because we beat everybody and reach the finals, and there that's where we stop. And even the Nations Cup that was played here. Yes, nightmare. We could have won that if we. I don't know something. I don't know what was lacking. Just tell our television where now at the Mohammed 60 in Rabat, Morocco. Yeah. Continue talking. So what I was saying is that we really have to look at something that is really missing, something we need to do. Maybe Job Rita has the solution because she is a former international player. Okay, en fait, c'est que quoi? Il faut comprendre que il y a cet esprit de compétitivité, de compétition. Vous n'avez jamais gagné la CAN, même avez-vous? Non, on n'a pas gagné. Mais on a fait un bon match quand même au Nigeria et que. Bon, à l'époque, le trophée va venir. Quand tu prends le Nigeria, à l'époque où nous on jouait, le Nigeria avait déjà la première division et la deuxième division. Ça veut dire que le Nigeria a une longueur d'avance sur nous au niveau de l'organisation, au niveau de la préparation. Vous savez, pendant que nous on est encore ici à Téné, le Nigeria, lui, il fait des stages ailleurs. Ils vont se préparer des mois à l'avance. Vous savez, ça compte. Ça dit que le football aujourd'hui, c'est pas. Je peux être une bonne technicienne, mais si je n'ai rien dans les jambes, ça ne veut pas donner, ça ne va pas donner. Donc, c'est de ça qu'il est question. On respecte le Nigeria, mais on n'est pas loin de là. Vous avez vu le volume, la CAN 2016 ici au Cameroun. Vous avez vu le volume de jeux que les Camerounaises ont sorti. On n'a jamais. Je ne suis pas sûr qu'on va encore jouer comme ça. Peut-être pour les générations à venir. Mais seulement. Attends, je vais chuter, s'il te plaît. Mais seulement, il y a un problème, c'est que ailleurs, ils disent que ça ne se serait pas passé comme ça. Ils jouent comme ça en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, ça veut pas. Ça veut dire que également, il faudrait que dans notre organisation, que nous essayons d'ajouter le petit sel qui manque là. On va aller à Rabat dans quelques mois. Mais qu'est-ce qui manque effectivement pour que le Cameroun puisse se lever jusqu'au niveau sel de la victoire finale? Nous voulons gagner le trophée. On a manqué de Baraka ici à la CAN 2016. Le problème est le head. Le Nigeria a joué peut-être sur deux ou trois occasions et il nous a tapé. Mais pendant ce temps, on avait fait tout le jeu. That's why I'm saying the problem is in the head, and we need to do something. C'était la meilleure équipe nationale. Now we're looking to. We have 1 minute 30 seconds to go over to Rabat for the draw ceremony, which is going to be conducted by CAF, by Damu, and of course with Mutawakil, and of course Chura Jara. Is going to be a ceremony which is quite glamorous in the eyes of for those who love women's football. Now, we talked about the Cameroon women's team. When you look at the team now, do you think they can do something there? Yes, I think. Given the opponents that we're going to see there. Yes, given the opponents, we have, you know, Ajara, Abudi, but that's not the only issue. Now, everybody can score in this team. I followed the team to Gambia, and I can tell you, everybody can score. It's not like you now pin one person and say, okay, if I cut this person off, the other one will not score. 40 secondes du tirage au sort, quel est l'adversaire que vous ne vouliez pas rentrer, que vous ne voudriez pas rencontrer? South Africa, because we know Nigeria is already off our way in the first pot, in the second pot, so. Rita, 10 secondes. Pour moi, c'est je vais jouer avec tout le monde. Ah bon? Oui. Même la Tunisie qui a frappé. Je joue avec tout le monde. Si je suis ambitieuse aujourd'hui, je dois pouvoir jouer avec tout le monde. Okay. Alors, on a 12 nations qui doivent connaître leur sort pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure. On va partir rapidement au complexe sportif Mohamed VI de Rabat pour cette cérémonie de tirage au sort. Et c'est dans quelques instants, c'est parti. It's singing your national anthem with pride. Daring, that's how they'd call you. Passionate, evident in every move. Determined, the rush, the sweat, the cheer. Persistent, it's all about making it come true. Patient,
It's definitely worth it all. We are coming back stronger than ever. For all we know, we are in this together. Africa, let's continue empowering our game. Assalamu alaikum jami'an. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome, bienvenue to Morocco. To Morocco, ladies and gentlemen. Morocco organizes, as you do know, the 14th edition of the Africa Cup of Nations women from the two prochain. Et pour la première fois dans l'histoire de la CAF, 12 pays s'affronteront pour la consécration ultime. Mesdames et messieurs, pour lancer officiellement le tirage au sort de cette CAN féminine Morocco 2022, permettez-moi d'accueillir sur scène le président de la Fédération royale marocaine de football, Monsieur Fouzil Rja. السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيلقي كلمة الافتتاح. أهلا بك. Madame, Monsieur les vice-présidents de la CAF, Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine du football, Mesdames et Messieurs les directeurs de la CAF, Messieurs les membres du comité d'organisation de la CAN féminine 2022, honorable assistance. Quand je suis là pour vous dire tout simplement que le Royaume du Maroc est déterminé pour organiser l'une des meilleures, sinon la meilleure CAN féminine de l'histoire de la CAF entre le 2 et le 23 juillet prochain, Inch'Allah. Et cela évidemment pour traduire la volonté collective de développer le football féminin au continent africain, plein de talents féminins et qui mérite toute notre attention et dévouement pour leur développement, mais aussi pour traduire une volonté menée ici au Maroc, au Royaume, depuis des années sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour mettre la femme au centre de l'attention de l'action publique et évidemment, en conséquence, développer le football féminin, le sport féminin. Et je pense que ce n'est que justice remise, puisque la femme a montré ses capacités dans tous les domaines et notamment le domaine sportif. Parmi nous aujourd'hui, il y a la première femme qui a été médaillée d'or aux Jeux Olympiques et je pense que le continent africain a démontré qu'au niveau du football féminin, il y a énormément de marge de progression, donc ensemble, pour développer et pour rattraper toutes ces marges et progresser ensemble sur un continent où le développement du football doit être un impératif en tout état de cause au Royaume du Maroc. La Fédération royale marocaine de football sont déterminées pour accompagner la CAF, son président, son management, dans toutes ses tâches de développement et surtout celles relatives au football et au développement du football féminin. Donc encore une fois, bienvenue au Maroc, à Rabat, plus précisément au complexe Mohamed VI, un petit bijou du football, de la pratique footballistique et qui traduit cette volonté collective démontré depuis un bout de temps
pour aller vers l'avant. On sera mobilisé pour fêter le football féminin entre le 2 et le 23 juillet, Inch'Allah. Merci à vous. Nous avons regardé ensemble ces quelques images du Maroc. Et bien sûr, le Maroc, c'est un petit peu ça, mais bien plus encore. Donc, à présent, j'aimerais faire un petit rappel pour les gens qui nous regardent sur nos plateformes CAF. Rejoignez-nous en utilisant le hashtag TotalEnergieWAFCON et suivez les pages du football féminin de la CAF. Et maintenant, je vous propose de revenir en arrière. De la Coupe des Nations féminines, l'édition qui a vu les Super Falcons du Nigeria remporter leur 9e titre, un record qui a consolidé leur domination dans le football féminin africain. On regarde. Vraiment, nous avons hâte de revivre ces ambiances, hein? Oui ou non? Oui ou non? Ok. Donc, parmi nous ce soir, deux femmes qui ont marqué l'histoire. La première a inscrit son nom dans les annales du sport marocain et africain. La deuxième, quant à elle, elle s'est illustrée sur la scène africaine et mondiale. Sans plus tarder, je vous laisserai découvrir nos deux icônes ainsi que leur grande réalisation. Peu croyait à son potentiel. Le sport n'était pas une route pour les femmes. Elle a décidé d'écrire son propre histoire, une qui brisait les stéréotypes. Ses résultats sur le terrain le prouvaient. En grandissant, je la regardais, croyant que les femmes sont des leaders. J'ai trouvé une raison, un jeu. Je l'ai vu briser des records. Je suis certaine que les femmes africaines sont capables de tout. De Casablanca à Los Angeles et plus loin encore, fixant le rythme, donnant de l'espoir aux futures générations. Elle s'appelle Nawal El Moutawakel. Je m'appelle Adjara Shunjoya, femme du continent. Levons-nous pour renforcer ce jeu.
voilà. Elle est donc la première femme arabe, africaine et musulmane à remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques. Ancienne ministre des Sports et vice-présidente du Comité international olympique, je vous prie de vous joindre à moi pour accueillir la légende Nawal El Moutawakil. Et pour l'accompagner sur scène, une femme qui a marqué l'un des buts les plus mémorables de la Coupe du Monde de la FIFA 2019 en France. Elle joue pour l'Inter Milan en Italie. Mesdames et messieurs, Ajara Nchout Njoya. Madame Nawal Moutawaki, c'est un grand honneur de vous avoir ce soir. Tout l'honneur est pour moi. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. Merci de m'avoir invitée et conviée à cette magnifique événement. L'honneur voilà. est pour nous, madame. Vous avez été source d'inspiration grâce à vos nombreuses réalisations dans le sport féminin, ici et ailleurs. Donc, d'après vous, quel rôle cette CAN féminine au Maroc peut-elle jouer dans la promotion et l'avancement du football féminin en Afrique ? Monsieur le Président, Al-Qja Fouzi a bien dit tout ce qu'il fallait dire au sujet de cette CAN, qui d'abord nous fait honneur d'être organisée ici dans notre magnifique pays et qui va être à tous les niveaux. Donc l'équipe nationale n'a pas trop le choix que de briller. Donc je lui souhaite tout le succès et les chances pour qu'elle puisse briller comme il se doit. On voilà. leur souhaite vraiment bon courage. Et maintenant, Ajara, bienvenue parmi nous, Ajara. Merci, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à plusieurs reprises au tournoi final. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui rend la CAN féminine extraordinaire ? Ben, je pense que pour cette édition, ce qui rendra la CAN spéciale est que pour la première fois dans l'histoire, nous allons jouer une CAN à 12 et 3, une 12 équipes. Et pour la première fois, nous allons 4 équipes vont se qualifier pour la Coupe du Monde directement et 2 pays vont jouer les barrages. Donc il est fort probable que 6 pays africains se qualifient pour une Coupe du Monde. C'est historique. Je souhaite bien que ça se passe ainsi. D'accord. Et pour parler de votre pays, le Cameroun, Ajara, qui est passé tout près du sacre ces dernières années, comment vous voyez la prochaine édition ? Est-ce que vous pensez que les Lions indomptables peuvent-elles enfin y arriver ? Ben, vous savez, la CAN, c'est une compétition que nous convoitons depuis des années. Et je pense que cette édition, ça serait la bonne pour le Cameroun. Et on espère ramener ce trophée au Cameroun. On vous souhaite bon courage alors. Merci, merci. Beaucoup. Merci, Ajara. Merci, Madame Nawal Moutawakil. Et maintenant, on passe au tirage. Je vous prie d'accueillir sur scène Monsieur Samson Adamou, directeur des compétitions de la CAF. Salut Samson, ça Salut se passe Huda. Bien. Ça va très bien, merci. Avant de vous céder ma place, j'aimerais quand même vous poser une petite question. Hein. C'est la même question, peut-être qui va se répéter. Qu'est-ce qui rendrait peut-être cette édition spécialement intéressante selon vous et qui se passe au Maroc, bien sûr ? Comme Ajara a bien dit, c'est une nouvelle phase pour nous dans le football féminin en Afrique. On joue la première édition avec 12 équipes. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que nous avons commencé depuis longtemps. Comme vous savez, l'année précédente, nous avons joué le Champions League de club féminine. Et ça, c'était déjà quelque chose qui est bien. Et d'abord, je vais féliciter l'équipe de ASFA qui ont gagné le championnat féminin ici. Ils ont aussi joué dans notre compétition l'année précédente. Et cette nouvelle édition, c'est le meilleur pays qu'on peut organiser cette compétition. Merci Samson et bon courage. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent entre de bonnes mains avec M. Samson pour procéder au tirage au sort en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup Huda. First of all, on behalf of CAF President Dr. Patrice Motsepe, I would like to congratulate all the 12 teams who have qualified to this special edition of the Total Energies Women African Cup of Nations. And of course, thanks to our beautiful hosts who would be organizing this competition. And
It's also good to mention that this is the first time that Africa has four slots that will be qualifying automatically to the final tournament. And we have also two extra slots that will be going to the playoffs. And before we start the draw, I would like to also thank our amazing legends. It's an honor for me to be sharing the stage with you to be conducting the draw today. And let us have a look at the draw procedure videos just to see an explanation of how the draw will be going. Thank you. The big tournament is back, ending 4 years of a long wait. For the first time ever, 12 teams with four countries marking their debut, all heading to Morocco, fighting for glory. Let's dive deeper into the draw procedure. As per the competition regulations, the hosts Morocco will be in position A1. And based on the regulations and FIFA ranking, the title holders Nigeria will be in position C1. Then Cameroon, the second highest after Nigeria, will come in B1. The remaining nine teams will all be seeded in the same level in Pot 1. The first ball drawn from Pot 1 will go to Group A. A ball will be drawn from Pot A to determine its position A2, A3, A4 in the group. The second ball drawn from Pot 1 will go to Group B. A ball will be drawn from Pot B to determine its position B2, B3, B4 in the group. The third ball drawn from Pot 1 will go to Group C. A ball will be drawn from Pot C to determine its position C2, C3, C4 in the group. This procedure will be repeated for all the remaining teams in Pot 1. 12 teams, 3 groups, 1 trophy, 1 dream. Said the draw procedures are very simple. Let us have a look at the 12 teams before we start drawing them into the different groups. We have Morocco, Nigeria, Cameroon, South Africa, Tunisia, Senegal, Zambia, Togo, Burkina Faso, Botswana, Uganda, and Burundi. And as the draw procedures are being made, according to the regulation of the competition, our beautiful host Morocco will be in Group A, in position A1, and the highest ranked team, Cameroon, will be in Group B, in position B1, and Nigeria, also the defending champions, would be in Group C. As the first team will be drawn by Ajara, it would go automatically into Group A, and Madame Nawal will be revealing to us in Pot A their position either in A2, A3, A4. Second ball drawn will go into Group B and Group C, and we continue until we complete the draw. Now, to start the draw, we start from Pot 1. Ajara, over to you. Burkina Faso. Burkina Faso will be joining Morocco in Group A in position. This is Burkina Faso's first participation. They are ranked 23 in Africa. They qualify by winning Benin and Guinea. They will be in Group A in position. A2, joining Morocco in Group A in position A2. And to join your team, Cameroon, Njoya, please pick very carefully. The fate of Cameroon is in your hands. Togo. Togo, one of the newcomers in Group B, joining Cameroon in position. Togo are ranked 16th in Africa and 115th in the world. They will be joining Cameroon in B4. B4, thank you very much. In Group B4, we have Togo. And joining our defending champions, Nigeria, in Group C would be Ajara. Botswana. Botswana, also one of the debutants, will be joining Nigeria in Group C. In position.
Botswana are the third team from the southern region that will be competing in this competition. It's also their first time. C4. And C4 joining Nigeria in position C4. And now for the third team that will be joining Morocco and Burkina Faso, Ajara. Uganda. Uganda, the Crested Cranes will be joining Morocco and Burkina Faso in Group A in position. A4. In position A4. This is Uganda's last participation was in the year 2000. It's been 22 years since they've been absent from the competition. And now for the second team, that will be joining Cameroon, Togo in Group B, third team. Tunisia. Tunisia, the second team from the north in this competition, will be joining Cameroon and Togo in B3. Tunisia are ranked sixth in Africa. They would be in Group B, joining Cameroon and Togo. And in Group C, Ajara. Burundi. Burundi, also one of the newcomers. They would be in Group C in position. Burundi qualified by beating Eritrea and Djibouti to qualify to Morocco. They will be in C3. Burundi joining Nigeria and Botswana in C3. And now the final team that will be joining Group A. We're left with Zambia, Senegal and South Africa. Which team will it be, Ajara? Senegal. Senegal will be looking to emulate their men's by winning the competition. Let's see if they'll be doing the same thing. They'll be joining the host Morocco in Group A. And to confirm the position, Madame Nawal? A3. Senegal in Group A in position A3. And to complete the Group B, Ajara, will it be Zambia or South Africa? Two teams from the south. Ajara, please. Zambia. Zambia will be completing Group B in position. Zambia are returning for the fourth time. They qualified after overcoming Malawi and Namibia on the way to Morocco. B2. In B2 to confirm the position. And last but not the least team, Ajara. South Africa. South Africa, Bayana Bayana, to confirm they'll be joining Nigeria. This is the 13th consecutive appearance of South Africa. They've participated in every edition since 1995. And to confirm. And C2. C2. Finally, now that we have all our groups, let us have a look at them again. At the head of the group, we have Morocco. Morocco returning to the competition after 22 years of absence. They will be looking to win the competition. And first, they need to get out of the group with Burkina, Senegal, and Uganda. And in Group B, we have Cameroon. Cameroon are the second highest ranked team in Africa. They also have amazing performances in the competition. A team that Ajara knows very well. I'm sure you'll be looking forward to it. It will be with Zambia, Tunisia, and Togo. And in Group C, we have Nigeria at the head of the group. Nigeria are the number one team in Africa. They're the defending champions. Nigeria's also won 11 out of the 13th edition of the competition. They're also the only team that have participated in every edition of the competition. They'll be joined by Bayana Bayana of South Africa, returning to the competition after 13 consecutive appearances.
they also have an amazing record and joining two of our new debutants, Burundi and Botswana. This is it. All the groups have been populated. Je vais profiter aussi de vous demander quelques questions. Notre légende, Madame Noël, qu'est-ce que les 12 équipes attendent ici pour voir au Maroc quand ils viennent en juillet? Cette coupe va avoir lieu en plein mois de juillet, donc dans deux magnifiques villes de ce beau royaume qui est le Maroc. Donc je leur demande de profiter pleinement et de cette compétition et également de ce beau pays qui va leur offrir plein de merveilles. Et je leur souhaite plein de succès et de réussite, Inch'Allah. Je serai là pour les applaudir parce que c'est des vraies tigresses, des vraies lionnes et des vraies battantes qui sont pleines de volonté et de détermination pour encore porter haut le drapeau du football féminin dans ce beau continent. J'ai aucune doute que ça sera une belle compétition et ça sera, le temps fera beau aussi ici en juillet. Ce sera très bien. Merci. Adjara, je vais profiter de te demander, c'est toi-même qui as choisi tes équipes qui vont jouer en groupe B. Est-ce que tu es satisfait? Tu penses que le Cameroun peut remporter la trophée cette fois-ci? Je suis très contente de me retrouver dans ce groupe. Mais vous savez, dans le football, on néglige aucune équipe. Toutes les équipes qui se sont qualifiées à la CAN ont mérité leur place. Donc, il n'y aura pas de match à négliger. Et vous savez, pour la première fois dans l'histoire, comme je l'ai dit, 4 pays vont se qualifier directement pour la Coupe du Monde et les 2 autres pourront jouer les barrages. Donc il va falloir prendre tous les matchs au sérieux et remporter ce trophée, ramener au Cameroun, rendre le peuple camerounais fier. Merci beaucoup, comme tu as bien dit. Je pense que ça va être vraiment une belle compétition. On a un groupe C, Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont joué même la finale au Ghana. Et l'équipe, le groupe de Maroc aussi, c'est les groupes qui sont l'équipe vraiment forte. Et toutes les équipes qui sont dans le groupe A, ils étaient déjà dans la compétition. Il n'y a pas une nouvelle équipe. For my side, I would like to thank everyone and wish all the 12 teams all the best in their campaign here to Morocco. And as Adjara said, I remind everyone that 4 teams will be qualified directly to the FIFA Women's World Cup in Australia and New Zealand next year, and 2 of the teams will be playing the playoffs. So we wish all the teams all the best in their campaign, and we look forward to seeing you here in Morocco. And the teams from Group A will be playing here in Rabat, in Moulay Abdallah, and Group B will be playing in Casablanca in Mohamed V Stadium, and Group C will be playing in Moulay Hassan here in Rabat. Thank you very much. See you in July. Good evening. Voilà, terminé donc ce tirage au sort au complexe sportif Mohamed VI de Rabat avec un Cameroun dans la poule B accompagné de la Zambie, de la Tunisie et du Togo. Et le groupe A qui est conduit par le Maroc, ce sera avec le Burkina Faso, le Sénégal et l'Ouganda. Le Nigeria dans la poule C aura pour adversaire l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. Première impression déjà, réaction? Je pense que, bon, le tirage est déjà là, mais il faut constater que la poule B est une poule... La poule du Cameroun? Oui, la poule du Cameroun n'est pas une poule facile, parce qu'on a la Tunisie, on a la Zambie, on a le Cameroun, comparativement aux autres poules. Et si je pourrais également faire un petit commentaire, c'est au niveau du groupe C, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Bon, c'est vrai que les autres ne sont pas des moins, ça il faut déjà le dire, mais par habitude, pour ceux qui arrivent à la compétition, et surtout le carré final, je crois que ça va se jouer. Bon, maintenant je constate que le Maroc a une poule un peu plus...
moins compliqué. Bon, maintenant, il reste à voir sur le terrain ce qui va se passer. Yokadia? As we say, Cameroon, you know, is in the group of death, as we call it. When we look at Zambia, you know what Zambia has done to us in the past years, stopping us from the Olympic Games. When we look at Tunisia, are you sure it would be the same thing? It may be the same thing, but you need to know that they have Banda, who scored a double hat trick in an Olympic game. She's still playing, and you know players like that are difficult to control. So we need to be very careful with Zambia. Then Tunisia, they are not bad. They are very good. Beating and eliminating Equatorial Guinea. So Togo may be their first time, so it's really complicated in this group. And when you look at Group C with South Africa and Nigeria, I think that's the only strong game that we're going to see there, or the bigger teams that are there. Then Burundi, Botswana, their first timers there. Then the host. Senegal is a big problem for the host, but when we look at the three groups, Cameroon is in a group of death. But we are used to facing harder teams and still coming out like what we did to Algeria. It's when you are. Mais de toutes les façons, la première journée est déjà assez. Électrique, hein, avec un certain Nigeria, Afrique du Sud, ou encore le Cameroun qui affronte la Zambie. Mais si on parle, on dit que le Maroc a été épargné peut-être par ce tirage au sort. La suite peut être très compliquée. Oh, oui. Well, we think so on paper, but I think football being what it is, Uganda, Senegal. Senegal defeated Mali, who are regulars at the AFCON, are not there. So please, we would want to keep our fingers crossed and watch this very thing. We never suspected that Tunisia could beat the Equatorial Guinea, two-time champion. So it's a very dicey competition, and everybody wants to be among the top four to qualify directly for the World Cup and avoid the 10 team tournament, the playoff tournament that will involve all teams across the world and we know Africa will provide two teams. Of course, just to say that for the next round of the competition, the very first two teams qualify from the pools, and then they will have two best third place teams to join the group and to qualify. Therefore, there will be an eighth final and then the semi final stage. And of course, now that Cameroon knows their opponents, they will have to start preparing. We have to start preparing the quarter. Of course, they know that they know how Tunisia plays, they know how Zambia plays. Togo yet, but just information coming in that Togo is yet to even start their championship. They'll be beginning their championship next month. But that's not even the conclusion. See, we need to look at teams that have already started preparing. Mm-hmm. Nigeria has played a competition, a friendly against Canada. Mm-hmm. They lost 2-1 in the first leg, and then drew in the second leg. It means they're not playing. Mm. Morocco has played 10 international games. Yes. So what are we waiting for? Ils étaient même ici au Cameroun. Yes, we beat them 1-0. That's Mais the only country that beat them. But it doesn't mean that we're still going to beat them. They have all it takes. So what does it take for Cameroon to do? We have to start preparing. We have is who? We have is the country. The fake food? The fake food? It's not the problem of FECA Foot. But it's FECA Foot. The Ministry of Sports and FECA Foot have to come together. No, Richard, who puts the team on camping? C'est la fédération. Okay. Yes, no. But it's the federation, but the ministry has a say. No, l'organe technique, c'est la fédération. Mm-hmm. L'autre, c'est le boss, l'administratif. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est technique, là, c'est la fédération. Okay. Disons qu'il y a donc la FECA Foot et l'entraîneur doit soumettre un programme de travail. Voilà. Il devrait aller au niveau administratif pour être validé. This program must have been there for long, but being the federation is like, you know, just starting off from where elections and trying to gather things. Non, mais ce que tu dois dire, c'est que quand il s'agit de la femme, ça traîne un peu. Pourquoi donc maintenant, it be like that? Non, ça c'est, that's my opinion. Quand il s'agit de la femme. I'm becoming a little bit. Non, je ne suis pas espérons féministe. Que. Maintenant que nous sommes nouveau, là, il faudrait le nouveau que, souffle qu'il voilà, y a maintenant, le nouveau souffle maintenant à la fédération. So that's what beaucoup I'm de choses devraient changer. Donc profitons pour que I'm nous avançons. Nous voulons la CAN, n'est-ce pas? Nous voulons la CAN. Alors mettons nos travail. To go and, you know. I think the best thing to do now is that a coach call.
for a camping for the home girls yes. who are playing the championship. Il fait We've un chronogramme. Il fait se donne un Before, because un the professionals can't really come back now. That's all what it's, yes. it has always been like be that. En réalité, like nous that, sommes the issue à quelques deux, je ne sais pas, it's trois mois de la compétition. Program, ça commence à être juste quand même. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le coach fasse un programme. Rita, maybe. No, think no. that the coach had already given his programs. Non, ce n'est pas un problème. Our last game aussi. Was when? On a un nouvel exécutif qui est en place. Voilà. Disons-nous que les choses ont commencé à changer et on est dans la continuité de cela. Donc, que le coach prenne ses initiatives. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas attendre. Peut-être qu'il faut de temps en temps aussi prendre. But I hear that preparation is based on the opponents, right? That is, your friendly matches are based on the opponents. Ne perdons pas de vue le fait que le ministère prend en charge une équipe 3 semaines avant la compétition. Voilà. Donc, il s'agit pour la fédération et l'entraîneur de trouver un programme, de mettre les équipes, les joueurs au travail bien avant, yes. avant que le ministère ne prenne le relais 3 semaines avant la compétition, c'est bien établi. Ce qu'on doit déjà dire, c'est que quand tu es sélectionneur, tu as le programme de tes compétitions, tu dois déjà t'organiser par rapport à ça. Ça veut dire que quand tu arrives à un niveau comme là maintenant, tu fais seulement, tu envoies seulement ta documentation au niveau de la fédération qui entérine au niveau du ministère. Donc, le travail devait déjà commencer. Pourquoi ne pas faire comme le coach Eno, qui prenait souvent les devants pour essayer de... Parce que s'il faut toujours attendre l'administration camerounaise, ça ne... si on est ambitieux, parce que disons-nous là que nous voulons, vous l'avez relevé là tout à l'heure, chaque fois on allait, les phases finales, on n'a pas remporté. Mais on va remporter comment si on ne okay. on Ladies travaille and gentlemen, pas. We're going to wrap things up. Thank you very much. That was the draw ceremony of the women's AFCON that is to take place from the 2nd of July to the 23rd of July 2022, that is in the Royal Kingdom of Morocco. Of course, Cameroon is placed in Group B, and of course, we'll play against Tunisia, Togo, and Zambia. Cameroon will begin on the first game against Zambia and will be based in Casablanca, whereas the home team will be based in Rabat. I'll play against Burkina Faso, Senegal, and of course Uganda. And the defending champions, Nigeria, in Group C, I'll be based in Rabat. We'll play against South Africa in their first game, Burundi, and then Botswana. C'est donc terminé. Et vous l'avez dit, Gideon Tazo, retenons tout simplement que le Cameroun aura la Zambie sur son chemin. Et c'est l'occasion pour nous de vous donner rendez-vous demain au stade Omnisport de Yaoundé où les Lions de moins de 17 ans affrontent la Zambie pour, dans le cadre du troisième tour retour sur le chemin de la Coupe du Monde 2023, donc 2022. Et disons tout simplement que c'est un début et que d'autres confrontations contre la Zambie sont à revoir dans quelques mois seulement à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous. On dit également merci à Rita Diop et à Léocada Bomben d'être passés ici pour nous apporter tous les éclairages nécessaires. On se retrouve demain sur ces mêmes antennes pour parler d'un certain Cameroun-Zambie de moins de 17 ans. Bye bye.
15h. Une victoire offrirait au bébé Lyon une place au dernier tour de ces éliminatoires. Tous au stade pour soutenir les jeunes pépites, futures stars du football féminin.